Bon alors Serge, on est là, pourquoi aujourd'hui? On va monter un système d'amortisseur performant de chez Performance Suspension, des PS2S. Donc on va commencer par les amortisseurs avant, qui seront les plus simples à monter, parce qu'à l'arrière, avec la caisse à Zalaï, il y a un petit souci, c'est que... Un réservoir additionnel a été mis en place et il gêne pour le démontage des amortisseurs, donc il va falloir tomber le réservoir additionnel, déjà dans un premier temps, et puis voilà. Donc on est parti pour une dizaine d'heures de boulot, sans levage, sans enlever les roues, parce que de toute façon elles ne nous gênent pas. Mais par contre, il faut qu'on monte la caisse pour pouvoir avoir la bonne distance pour l'amortisseur. Voilà. Ok. Bon, on les regarde un peu de près, ces machins. D'accord. Donc l'amortisseur et sa bonbonne. D'accord. Les bonbonnes se montent soit en bas, soit en haut. Mais après discussion avec P2S, il est préférable de les monter en haut. Ça les raccords et les joints sont plus protégés, donc on va les monter en haut. Et ensuite, il va falloir trouver un endroit sur le châssis pour fixer ces bonbonnes. Donc ça va être perçage et taraudage, et je pense qu'on devrait s'en sortir comme ça plus facilement. Ok. Eh ben allez, au boulot. Voilà, attendez, je t'explique. Ah bah bon, on voit quand même la différence entre les deux amortisseurs, mais... Ah, on a l'impression qu'on a un amortisseur de bas de gamme et puis... Non, attends, mobilette. Mobilette, oui, on dirait un amortisseur de mobilette à côté. Ça va nous changer la vie, je pense. Je pense. Après, il va y avoir les histoires de réglage, quoi, qu'il faut... Les histoires de réglage, ça, c'est au bon vouloir de chacun. Et c'est, je pense, en discutant avec des collègues qui ont un autre Iveco, qui vous allez pouvoir échanger et voir ce que vous pouvez faire. Parce que je pense que si c'est pas trop compliqué à changer, les réglages, ça peut permettre, suivant les pistes, d'être dans un sens ou dans l'autre. Ouais, parce que ça se règle là. Ouais. Voilà. Bon, j'ai déjà vu qu'il y avait des réglages routes et des réglages pistes qui étaient différents. Après, tu avais l'autre là, celui où on avait réglé pour Arneux là, à 8000. Ouais. Lui, par contre, il règle. T'as un tableau de commande. Tu règles les amortisseurs de l'intérieur. Ouais. Ouais, mais bon. Et ceux qui sont trop bas, quand tu montes dans le ferry, t'as un mode ferry. Tu mets mode ferry, il se rehausse. Pour rentrer dans le ferry, pour pas que ça touche dessous. Ouais, ça touche la rampe. Ouais, mais là, avant que ça touche le... Et en plus, ouais. T'as le mode nuit, il se met en... Il est plus souple. Non, il se règle. Il se règle. Ah oui. Soit d'aplomb, de niveau. Tout ça. Ah, ça c'est cool ça. Et oui, parce que au moins, tu roules pas d'un côté de l'autre. Tu roules, t'écrases pas ta femme. mais t'as pas tous les modèles. Ouais. Arneux, il faisait que l'arrière. Ouais. Alors que tu prends un Vito, tu as les 4 amortisseurs qui sont réglables. Et c'était de... Parce que, est-ce que sur les Iveco, ils font de l'amortisseur pneumatique, quoi, des boudins pneumatiques? Aucune idée. Pour ceux-là, là Oui, alors ils les font pour les bennes, les routes. Mais est-ce qu'en 4x4, je ne sais pas. Non, en tout terrain, je ne sais pas. Bon, ok. Bon. Ah, ça y est, on a mis l'amortisseur arrière. L'amortisseur avant, ils sont posés, ils vont bien là. L'autre avant. Et l'amortisseur arrière. On l'a posé déjà suite droite, il ne reste plus que suite gauche.
et après le trouver les endroits pour fixer les bonbonnes. Ah ben voilà. Et la bouteille, elle est là-bas. Okay. Ça fait quand même une sacrée différence. Hein? Ça fait une sacrée différence. Pourquoi? D'amortisseur quand même. Bah après, tu verras vraiment quand tu vas rouler avec. Toi. Ouais. Non, mais là, je parle déjà des proportions. Ah. T'en fais quoi de ceux-là, des amortisseurs? J'en fais quoi? Je te les laisse. Tu les revends ce bon coin. Mes amortisseurs, mes nouveaux amortisseurs, là, deux petites tacs. Ça fait deux petits yeux là, nouveau. Ok. Bon, c'est fini? Bah ouais, je crois. Hein. Il a tout mis en place. Il n'y a plus qu'à tester. Allez, go. Allez, t'as des clés? C'est toi qui as les clés? Non, ils sont devant moi. Aujourd'hui, on va récupérer le camion donc chez un aménageur qui nous a aménagé le coffre et puis quelques étagères à l'intérieur. Qui fait aussi des tinnitus. Et qui fait aussi des tinnitus, oui. Donc celle-ci, entre autres. Bon, le camion, il est là déjà. On va voir ce qu'il nous a fait. Bonjour. Ah bah tiens. Venir récupérer votre bébé. On attend de voir la tête de madame alors. Je vous le souhaite. Eh bien, on a commencé par la. Allez, commencez par derrière. On commence par l'arrière, donc le coffre. Maintenant, ça va, j'ai pris l'habitude pour l'ouvrir. C'est pas mal ce système. Ce qui est bizarre, c'est qu'on arrive après à accrocher une remorque, ça tienne que par le crochet. Non, mais c'est pour un porte-vélo simplement. Hein. Oui. Mais ça marche bien, ouais. Oui, c'est oui. Ah merde. Ah. Et ben voilà, c'est moi, bon. Moi, ça m'est pas arrivé, hein, vous m'aviez prévenu. Bien. Ouais, ça marche. Ah, ouais. C'est parfait. Est-ce que ça vous plaît? Ah oui, très bien. Bon, j'ai rajouté un petit truc perso, on n'en avait pas parlé, mais j'ai trouvé que c'était sympa de mettre des petits rabats comme ça. Qui, ah non, mais c'était obligé, les petits rabats. Non, mais au départ, je vous avais dit, on mettrait une cornière, ouais. Une cornière d'arrêt. Mais en fait, là, l'avantage, c'est que c'est beaucoup mieux qu'une cornière d'arrêt, parce qu'en fait, vous avez vraiment un accès qui est plus grand, ouais. et vous avez vraiment un arrêt de 10 cm. Quoi. Donc là, il n'y a vraiment rien qui peut bouger, et c'est nickel. Donc là, en fait, vous avez... Bah, ici, je vous ai déplacé. Alors, j'ai changé un petit peu. Là aussi, j'ai improvisé. Les deux rails qui étaient en travers, du coup, qui finalement ne servaient à rien, je les ai recoupés. Et du coup, je vous ai mis 4 rails. Comme ça. Ouais. Et le fait d'en mettre 4, ça vous permet de pouvoir avoir un deuxième point d'accrochage ici. Ah, parfait. Parce que du coup, ça sert à, la longueur ne servait à rien. Ouais. Et en fait, les mettre en largeur, c'était une contrainte parce que vous êtes obligé de régler l'anthraxe, puis vous ne pouvez pas changer. Alors que là, en fait, selon ce que vous mettez, vous pouvez régler l'anthraxe pour mettre vos crochets. Okay. Donc c'est plus judicieux comme ça. Alors ça m'a pris un peu de temps parce que du coup j'avais dû, d'ailleurs quand vous êtes venu, ouais. J'avais démonté en fait la plaque qui était sur les lits et tout. Et du coup c'est nickel, j'ai mis toutes les têtes de vis et tout. Donc tout est boulonné par l'intérieur. Il y a à chaque fois deux boulons pour chaque barre. Donc on est sûr que c'est des boulons en plus. Ah non, mais c'est top, hein. Anti-desserrage, donc voilà. C'est un vrai métier. On serait pas arrivé à faire ça. Ah non, mais on pensait même pas. Dans ma tête, j'avais un truc comme ça, mais pas. Ah, je suis dur. Attendez, ouais, il faut juste en fait. Là, il est déjà ouvert. Je viens de l'ouvrir. Hop, voilà. Parce qu'il faut juste penser que ça, il va y avoir de la contrainte. Mais... Bon, là. Ah, ça risque rien, là. Ah, bon. De la contrainte, c'est juste en arrêt de charge quand... Mais si on fait en 4x4, quoi. Mais là, l'avantage, c'est que vous avez une vraie hauteur. Ouais, donc, du coup, vous êtes c'est ce qu'on voulait. Hein. Et les hauteurs, en fait, je suis pas parti... Parce que si on empilait en fait deux caisses,
ça marche pas parce qu'après vous restez pas à cette place. Là en fait c'est idéal avec ces hauteurs là parce que là vous avez 32, là vous avez 25 et là vous avez un peu plus de 20 et plus de place pour ici. Et l'idée c'est que vous pouvez mettre les caisses comme ça et vous pouvez aussi mettre des réhausses de caisses de 10 cm parce qu'elles existent en 10 celles-ci. D'accord. Donc vous pouvez mettre 2 de 20 et 2 de 10. On en là, a d'ailleurs que tige quoi, une ou deux. Là pour vous voyez, on n'a presque rien dans celui-là, là il y a juste ça, donc ça vous laisse encore les cales, elles passent là-haut. Ah, là oui. Vous avez pile poil le calage avec les bidons, si vous mettez ça et tout, il n'y a rien qui bouge. Donc je pense que c'est bien optimisé quoi. Ouais. On a un paquet de matériel encore et avec à la les maison. Hauteurs, au moins, vous pouvez vraiment adapter et mettre comme vous voulez. Vous êtes tranquille. Vous pouvez en fermer qu'un, en fermer deux, après, c'est à vous de voir. Mais, là, c'est celui-là qui te fait coincer. Mais... Voilà. Mais au pire, on peut mettre ça là-haut et remettre des caisses là. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en profondeur, les caisses passent aussi là. Oui. Mais j'ai pas été au maximum en profondeur parce que ça sert à rien. Et surtout que si un jour vous voulez mettre quelque chose en vertical en plus. Vous pouvez le mettre quelque chose d'un peu plus grand. Il vous reste suffisamment de place entre là et le. Et là, après, ça sert à. Une fois qu'on a la profondeur de la caisse plus 1 ou 2 cm, ça sert à rien de mettre plus, quoi. Okay. Oui, il faut mettre à peu près juste de la. Oui, il faut ouais, et puis là, l'avantage, c'est que ça, c'est un contreplaqué antidérapant. C'est fait pour faire les planchers de remorque. Ça risque absolument rien. Ça craint pas l'humidité. C'est vraiment fait pour, quoi. Ok. C'est vraiment fait pour. Bon, ben, c'est parfait, ça. Madame est contente. Bah oui, c'est. Donc les deux joues sont collées et après c'est en pression, donc ça risque vraiment pas du tout de bouger. C'est vraiment costaud. Ah ouais, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pas mal. Ben c'est pensé surtout. Et je les ai mis sur taquet fixe parce que si on mettait des taquets de réglage et tout avec les vibrations, ça tient pas. Donc, autant une cuisine, on dit on fait ça, mais ça non. Ça, il faut le mettre fixé sur des. J'imagine qu'après, une fois que vous avez vu les hauteurs, vous n'allez pas vous amuser à les changer, même si on pourrait le faire, mais. Ça reste démontable, mais après. N'hésitez pas à fermer ceci. Non. Ah oui. Faites voir. Bien que ça pique parce que. Oh, mais c'est bon. C'est vrai que ça fait propre, quoi. Quand vous ouvrez, ça fait. Ça fait sérieux. Il manque un petit autocollant dessus, mais ça, je vous laisserai le mettre. Hein, sur des petites barres transversales, là, ça. Oui, mais votre publicité. J'aurais pu, en plus. Bah, il faut pas hésiter. Il n'y a pas de problème. Alors, pour l'instant, j'en ai pas, mais je vais faire un truc, parce que j'ai vu ça qui est pas mal. Je pense que je vais acheter. Maintenant, ils font des petits graveurs laser. C'est super. C'est un tout petit. Et on peut faire des logos et tout, et en impression laser. Et vraiment, ça me plaît, hein. L'autre côté. Ah, regarde, elle est inversée. Oui, c'est vrai que c'est pas logique, mais après, avec ces serrures, c'est compliqué parce que selon comment on les met. Sur les verrous, ouais, on peut pas faire autrement. Non, mais il a expliqué que c'était. Des fois, il y a des configurations où on est obligé. Ah, là, c'était des chaussures, mais. Bon, on aura donné un petit coup, après, il est pas nickel, mais on a essayé de faire au mieux. De toute façon, on va le ranger nous maintenant parce qu'on a besoin de. On va partir la semaine prochaine. Impeccable. Ah, oula, ben deux mois déjà, elle a l'air forte dans le bas. Très bien. Ah ouais, non, c'est tout à fait. Et du coup, l'avantage, c'est que comme ça, vous avez. Là, je vous ai mis trois hauteurs de réglage. C'est-à-dire que selon comment vous voulez arranger. Vous allez avoir celui du bas, si vous voulez, oui, celui du haut et le troisième. Donc là, vous avez des taquets et vous pouvez vraiment moduler. Et alors, l'avantage de ça, en plus, c'est génial, c'est que c'est du composite. Donc ça risque rien. Si vous pouvez le tremper dans l'eau, ça craint pas l'humidité, ça craint rien du tout. Donc c'est mieux que le contreplaqué. Parce que le composite, c'est vraiment génial pour ça. Ouais, donc il faut que j'achète des trucs comme ça pour mettre là. Ouais. Si vous voulez, je peux vous donner, on en avait acheté plein, nous, quand on a vendu le camping-car, des petits, pour mettre sur les verres, vous savez, comme des emballages pour les protéger, pour les chocs. Mm. On vous en aura quelques-uns, on en a et nous, on s'en sert. Là, je vois que vous avez enlevé les... Oui, j'ai enlevé, ouais, parce que sinon, en hauteur, ça passait pas. Mm. Donc là, j'ai mis les bols ici, donc vous les calerez. Il faut un petit calage. Après, bon, j'imagine que vous allez réorganiser. L'avantage, c'est que ça passe en haut, par contre, c'est pas mal. Ça, c'était juste pour caler. Ah ben, vous voyez. Donc, ça n'existera plus dedans. Voilà. Parce que là, je vais mettre. Mais là, du coup, vous pouvez vraiment moduler selon ce que vous voulez mettre. Vous pouvez faire ce que vous voulez.
Ah bah voilà le top. Voilà, et là toute profondeur, donc vous avez vu ce que vous avez en profondeur, vous avez de la place. Hein. Ouais, il y a de la place. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en avait, mais étant donné que c'était. Oui. Non mais là c'est vrai, tu mets tout, tu peux entasser, ça fait de la hauteur, elle est et assez. Et il n'y a rien qui tombe sur les côtés, au moins vous coincez rien, ça c'est pas mal aussi. Non mais c'est. Et celui de dessous, c'est la même chose, du coup, avec un peu moins haut, mais avec un petit rebord quand même pour tenir. Et quand vous l'ouvrez à fond, vous avez quand même l'accès pour mettre deux ou trois choses dessous si besoin. Mais en fait, on utilise vraiment toute la profondeur, c'est mieux parce que si on s'arrête avant, là-bas, c'est ce qu'on avait fait, on ne pouvait pas faire autrement, mais là, au moins, vous avez vraiment toute la profondeur. Ah non, mais là, c'est le top, hein. C'était exactement voilà ce qu'il a fait. Là. Ah, ben de l'autre côté, j'ai déjà rangé mes casseroles. Ici, tu as la place pour mettre les couvertes voilà, et machin comme ça, tac, tac. Et dessous, j'ai un... Là, il est un petit peu moins profond, mais du coup, vous avez un accès voilà, pour aller dessous. Et puis après, j'ai un accès, j'ai mis tous mes plastiques, là, tous les... Là, c'est... Il est plein. Vraiment optimisé. J'ai tout mis, tout est rentré. Ce qui serait bien, je vais vous les donner, c'est mettre des petits tampons de surépaisseur pour les caler entre la porte et ça, pour que justement, ça puisse pas du tout bouger. Moi, j'ai des tampons en feutrine, un peu comme on met sous les dessous de chaise. Vous en mettez deux ou trois en épaisseur, ça va vous faire pile de calage. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de vibration et rien du tout. Okay. Et après, maintenant, c'est votre placard là-bas. Ah, je vous laisse découvrir. Vous avez vu comment je l'ai rangé là? Ben voilà, ça, c'est parfait. C'est ce qu'on voulait. Tiens, regarde là. Je regarde ce qu'il a fait là. Ah bah ouais, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Parce que là, par rapport à une penderie, par rapport à une penderie qu'il y avait au départ. Et encore une fois, l'avantage, c'est que tout se tient bien, mais si vous voulez le démonter pour nettoyer, c'est pareil. Là, vous enlevez les trois rayons, les deux côtés s'enlèvent, vous pouvez tout nettoyer, tout remonter. En définitive, c'est des collègues qui avaient le même camion que nous, qui à l'époque ont supprimé la penderie et ils ont bien fait. Et du coup, on les a copiés. Ouais, on a copié. Mais bon, le fait est que ça nous fait un sacré rangement supplémentaire. Hein, parce que bon, la penderie, c'est vrai. J'imagine que quand vous partez, vous ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la penderie. Hein. En plein hiver, quand on part en plein hiver, on a les gros anoraks. Mais bon, c'est sûr. Dans les roules. Honnêtement, quand vous partez, j'imagine que vous n'avez pas besoin d'avoir 5 blousons. Voilà, c'est ça. Alors que du vêtement de rechange, il en faut donc pouvoir faire un rangement tout ce qui est là, toilette. L'avantage pareil, vous pouvez régler en hauteur comme vous voulez, juste les taquets à changer. Et, j'avais comme celui-là, donc ça peut être pas mal si un jour vous décidez de ouais, changer. Sur le coup, j'ai pas pensé, mais je voulais un petit peu plus bas. Mais après, vous pouvez aussi vous refaites juste un petit trou en dessous, mais voyez, après là par exemple, ça passe plus donc après, c'est ça. Mais après, j'ai dit non, c'est parce que le verre que j'ai parce que j'ai rajouté ça après, du coup, comme j'avais la place, mais c'est sûr que là, mais j'avais trouvé que c'était pas mal de quand je l'avais mis moi aussi de le mettre lui en bas, comme ça il est tranquille, il bouge pas. Et là, vous voyez, vous avez fait un peu le même calage que voilà. Ouais, c'est bien comme ça. Mais là, ouais, vous avez de la place. Hein. Voilà, je suis en train d'aménager l'intérieur maintenant. J'ai nettoyé les cuves d'eau, j'ai nettoyé les tuyaux d'eau. Tout a été nettoyé propre. Maintenant, il me reste à mettre tout ça dans les placards. Voilà. Donc maintenant j'ai rangé donc tout mon placard d'alimentation. On va l'ouvrir. C'est un grand placard, vraiment très pratique. Et là aussi. Donc, pas manger, hein. Hop, on va faire un mouvement de frein. Et maintenant, je m'attaque aux vêtements. Donc, j'ai commencé à ranger une partie de mes vêtements dans les placards du fond ici. Et là, je vais mettre ce dernier. Et il me reste encore quelques vêtements à poser. Et voilà ce que ça donne, le coffre une fois rangé. Alors les trois bacs pour tout ce qui est technique. Ensuite là, les extérieurs, des bidons, la machine à laver. En haut on a le barbecue.
la table, les chaises, et on va pouvoir rajouter derrière deux chaises longues.